Jeudi 15 juin 2023. Chers amis, chers frères et sœurs, nous sommes contents pour nous rencontrer et pour nous saluer dans le nom précieux de Jésus-Christ. L'Éternel permet de nous rencontrer encore, oui, dans le travail là. Et c'est tout à fait normal pour nous rencontrer. Nous disons l'Éternel merci. Moi-même avant, nous avons collé tête pour nous passer un bon moment. En nous prier, bon Dieu, notre Maître, merci pour faveur, merci pour grâce envers nous. Merci pour présence, le Saint-Esprit. Merci parce que l'Éternel Papa ou directionne la vie, non? Merci parce qu'on se maître, qu'on se sauveur, pas rien l'autre encore, c'est où? Merci parce que l'Éternel Papa tout ce qu'on fait pour nous, c'est ça qui est plus bon, l'Éternel. Donc nous l'avons en main. Et nous demandons l'Éternel Papa continue de verser grâce, continue de verser amour dans la vie, nos chers Seigneurs. Nous avons des staff là qui travaillent pour l'Éternel Papa dans le café spirituel. Frère Boubert, Diak Joannès, Diak Rebecca, Frère Maxo, Frère Son Napoléon, Saint Naomi, Pasteur Kelly Bernard, Pasteur Rinal, Maestro Junior. Nous avons tout le monde avec toute la famille de l'Éternel Papa. Na occasion ça nous la gè servi douce nan mon frère Michel depuis Curaçao et frère Louis des frères le souhait tout saint frère Légem frère Sonny Gabriel frère Jules Miss frère Inel groupe Sabéos nan mon l'Éternel Papa nous la gè sœur Ousine sœur Yoli sœur Vanita frère sœur Odlin Bonnet frère sœur Renol frère sœur Asselom frère sœur Miton et nous la gè nan mon surtout sœur Asselom. On la la famille, c'est Dieu dans mon Dieu tout puissant. N'a pas demandé l'Éternel Papa, répandre grâce au cher Seigneur, parce que nous connaissons seul ou même, nous pas gain l'autre encore, c'est ça que fait Dieu tout puissant. Toujours, nous voulons fixer le regard sur nous-mêmes, l'Éternel Papa. Tout bagay c'est dans mon, nous la gué c'est mis en tout, mis en vie, nous connaissons tout bagay l'Éternel, et nous la gué frère et sœur Gérard. Et lui jeune, c'est Gérard en particulier, l'Éternel Papa. Et c'est assez l'homme, moi connais nous la gueule dans mon chef Lossi, ensemble avec Mamani, frère Loven, Sagesse Loven, toutes les branches Morissette, nous la gueule dans mon, la gueule frère c'est Anderson, Charles l'amour, Dieu Tout-Puissant, Nabé Mando, l'Éternel, continue de protéger pour nous, dans route dangereuse, yo, cher Papa, m'na. Et nous l'avons tous les amis, tous les frères et sœurs, nous avons tous les petits, tous les côtés situés. Et nous avons Dieu Tout-Puissant. Nous avons été avec l'Éternel Papa, protéger nous prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers amis, hier nous avons eu la chance de aborder le premier chapitre dans le livre des Thessaloniciens. Dès que la dernière, nous avons eu Paul ensemble avec collaborateur Lio et Timothée. Et Silas et tout y était bah support dans l'église Thessalonique là et y a dit non c'est dans deuxième voie missionnaire Paul il était fondé l'église ça et nous avons tenu compte tout des types de salutations type de paroles d'encouragement qui était bail dans livre là et côté que l'amour était doué là dans livre là. Et yo noté ouais tout et Thessalonique t'es servi d'exemple pour les Macédoine et nous connaissons frères et sœurs alors si m'taba ou quelques petites précisions capitale province romaine de Macédoine Thessalonique c'est lui-même qui était plus grande ville dans la région. Donc ça veut dire que on doit parler de Rome et Macédoine, Thessalonique, qui fait partie de zone ça autour. Alors on dit non et Thessalonique c'était ville qui était très riche dans la région hein? Et on dit c'était base empire là tout.
Il était trouvé sur la plus importante des routes romaines qui allaient de Rome à l'Orient. Ça veut dire, et il a situé pour aujourd'hui, et il y a un grand commerce qui a fait activité très florissante, il y a un port, surtout dans l'époque, ça a tout le temps de parler de port. Parce que c'est avec Poyo qu'on est fait transport. Il y a un transport, nous avons eu un il n'y a pas de moyen de transport ça. Et c'est surtout plus sous bateau. Et ça fait vidéo de surtout. Et pour une ville qui est plus importante, il y a toujours situé sur des côtes. Alors là, on dit sur des côtes là, ça veut dire bol en mer. Il y a situé, il y a capable de faire voyager. Mais on connaît qu'on n'y a pas un problème pour venir trouver n'importe côté avec facilité, puisqu'il y a l'autre moyen et de transport. Et côté ville, trouver la machine calée, motocyclette calée et différents types formes de bikes à participer là-dedans. Alors, et ville, c'est à l'unique là-dedans, il y a des cités libres. Il dépossédait des gouvernements pâles, un gouvernement autonome qui pas soumis à toute bagaille nette ou imposée. Il pas soumis avec tout, même là, il était soumis quand même, mais pas avec toute bagaille. Il y a des bagailles, il y a des restrictions là-dedans. Et même des grands aspects et cosmopolite et religion idolâtre, diverses influences culturelles. Et t'es menacé foi chrétien yo nan zone ça et surtout quand l'église là pas de grand pile temps depuis le fondé l'église a été à peine 2 à 3 ans et depuis le t'est fondé c'est ton jeune église si vous permettez-moi et dire comme ça alors ça c'est l'autre explication après bah au sous chapitre premier l'autre bagaille vous connaissez toujours comme ça non fait pour nous permettre ou bien comprendre et là on parle non de ville ça. Là, on parlait dans des c'était un centre culturel là. Il faut que nous disions que c'est un mélange de religions qui était bien là. Parce que jusqu'à présent, on a une série de zones, sans zone qui ont une série de religions collées là-dedans. Et Haïti fait partie des zones, ça oui. Mais surtout, zone a parlé là, c'est des zones qui étaient très civilisées et des zones qui étaient très éclairées, surtout sur le plan économique. Il n'y a pas l'eau. De Macédoine ça. Alors dit les Macédoniens, ils ont gardé une foi ferme dans le moment de persécution. On prend dans le moment de persécution, ils ont gardé une foi ferme, ils ont pas découragé. On prend frère et sœur, ça c'est un gros bagage lié et les ont fait face avec difficulté, les venir pour la foi diminuer. Ou capable permettre moi dit ça, dans le moment insécurité nous gagnons en Haïti là, la foi diminuer. Ou ka mande men kote mwen rencontre ambo sa, an ben son constat non fait gon paquet l'église qui ferme. Gen un paquet responsable l'église qui quitte l'église, y a le caché dans pays étranger. An ben son constat non fait oui. Et bon Paul non dit comme ça non, c'est bagay non ouais, on prend un paquet responsable l'église qui quitte l'église, y a le caché dans pays étranger, yo quitte l'église là. Si on dit à vous l'église là, si on prédicateur vous l'église là, vous quittez. D'ailleurs, nous avons déjà une tendance à ça maintenant. Parce que nous rendons compte que l'église n'a pas qu'à prendre soin, non. Pas qu'à prendre soin de la famille, non. Nous avons toujours rêvé pour nous quitter l'église, pour aller dans un pays étranger. Mais là, nous avons une possibilité, ça, nous faisons. Et là, on s'en pile magouille, nous faisons. Il faut nous dire la vérité, là. Pour nous capables une possibilité pour nous quitter un pays et mais là nous ouais côté que frères et sœurs yo dit nous en mitan persécution messieurs dames yo monde Thessalonique yo été non foi ferme Paul félicite yo pour fidélité yo acte d'amour et espérance que yo te gain en retour Seigneur Paul félicite yo pour tout ça yo. Et caractéristiques yote gen, caractéristiques du vrai chrétien à toutes les époques. Donc malgré c'est ton jeune église, mais au-delà toutes les époques, yote rete
Non, comportement ecclésiastique, un comportement de chrétien, malgré Jean Saïe. Bon, il faut aussi dire, il y a des gens qui ont conseillé, parce que y a des choses qui ont besoin qu'on ait. Les choses sont difficiles si vous n'avez pas un leader. Ou risque de tomber dans une série de choses, surtout dans le mode leader, dans le monde qui a tout sauce ça. Yo souvent fait nous tomber dans ça qui nous pas doué tomber parce que yo mélangé. Paul te rappelé te sur la Salonique yo et que yo que mon Dieu te choisi yo et mon Dieu te choisi yo pour travailler là. Il y a peu de sujets qui évoquent autour autant de troubles et de débats parmi les chrétiens que celui de l'élection. Donc, il dit par exemple le sujet en ce sens, et il va y avoir un débat en ce sens, et parce que tout le monde dérive fixer ses yeux sur Jésus, et ça a grand pile importance pour eux. Nous avons de la peine à concilier la souveraineté de Dieu qui amène à nous choisir et la responsabilité de l'homme à choisir Dieu. Donc, tu as un débat, ça n'a mis en haut, c'est de vérité cohabite. Néanmoins, dans la Bible, ce que l'on peut dire sans prétendre tout expliquer, c'est que l'élection prend sa source dans le cœur de Dieu. Alors, il n'y a pas d'élection, ça. Et bien, élection, donc on est élection politique. Non, il n'y a pas de là. C'est le monde qui a été sélectionné, qui a accepté Jésus, qui a été parmi les sauvés. C'est parole, ça a causé ça, qui a été parlé. Il faut que nous t'a expliqué au livre, pour comprendre ça. Donc, deux courants, ils ont dit qu'ils étaient habités ensemble. C'est côté l'évangile, il y a une source li dans le cœur mon yo et esprit yo tout yo même te rete dans l'amour et de Dieu et te incite mon yo pour te plaire et à Dieu au lieu pour ta ignorer la parole de Dieu mais pour te plaire et pour le mener à la connaissance de la parole de Dieu faire gain plus connaissance faire attacher plus à l'évangile de Jésus-Christ là. Et responsabilité l'homme pour prendre consiste pour chercher qu'on est bon Dieu comme Seigneur, chercher plaire à bon Dieu en toutes circonstances et faire l'évangile là arriver plus loin possible. Donc et c'est à lui Seigneur de gagner ça dans eux même aussi pour faire l'évangile là arriver plus loin. Et surtout, il y a des moteurs comme Paul, Timothée, Silas, ces messieurs-là, qui ont piloté parole-là. Ah, et si vous prenez un courant, vous prenez un courant bien, et bien, vous venez en bombe. Et non, ouais, ça, le fait que nous avons choisi Dieu nous lance un défi. C'est lui qui doit mener une vie digne de lui. Comment réagissons-nous à la notion d'élection? Donc ça veut dire que l'or était attaché avec bon Dieu, c'est un défi gain pour mener une vie conforme à la vérité. Et la bonne nouvelle est venue avec puissance et il y a un impact sur tout chrétien thessalonique. Là on dit impact là, ça veut dire il y a un résultat. Il y a Mac Fabrique sur tout chrétien thessalonique. Le fait que les chrétiens thessalonique ont été en base le Seigneur et ont cherché qu'on ait plus ça, bon Dieu dit. Donc, pas oublier, je suis venu ça hier. Et Léon, mon nom là déjà, c'est conseiller au doué. Ou doué conseiller pour l'autre nouveau Yogvinio. En mettant Salonique qui pral converti, qui te converti, yo était là comme des conseils, des éléments d'encouragement pour les autres. On voit des éléments d'encouragement pour les autres, pour permettre l'autre yo capable de progresser dans l'évangile Jésus-Christ là. Alors, frères et sœurs,
Yo di non, la parol de Diyo gen pouvwa pou chanje la vi de moun ki tande le, moun ki dispose pou mete en pratik. Donc se rol parol bon Diyo sa, non rele kristyanis la, se sa liye menm pou li pou li menen non, hein, a de fè konkrè, a de fè enteresan, transforme la vi non, fè non vini vreman de jan super important. C'est la puissance de Dieu pour le monde qui croit et comment la puissance de mon Dieu a révélé pour le manifester dans la vie et que les noms croient. Donc, condition pour nous croire. Et qui vient pour le manifester, on va voir que il y a des tuyaux qui peuvent faire ça arriver. Par exemple, Pigo tuyaux, c'est le Saint-Esprit qui peut aider nous à la transformation, qui transforme l'homme à la bonne nouvelle. Les noms parlé de Christ aux autres et pour nous montrer que nous dépendons du Saint-Esprit et pas pour nous montrer non le fait que nous gagnons le Saint-Esprit nous dépend du Saint-Esprit dans tout travail que nous avons arrivé à faire. Vous comprenez? Parce que le Saint-Esprit là pour ouvrir les yeux, il vient pour convaincre non, pour permettre nous obéir à la parole de Dieu. D'ailleurs le Saint-Esprit c'est la puissance de Dieu et non c'est pas intelligence non et pas capacité non et pas force non et pas aptitude non sous permettre moi dit tout ça qui fait nous cabaille l'évangile là bien qui fait nous amener nos vie conforme à l'évangile c'est pas nous mêmes et pas nous mêmes ça c'est le Saint-Esprit de Dieu et ça quoi nous tout dit ça pas un bon chrétien si ou pas gagne le Saint-Esprit de Dieu soit vu sans le Saint-Esprit de Dieu ou pas chrétien parce que le Saint-Esprit tant qu'on a toujours de lui c'est le garant du salut c'est lui même hein qui vous montrer que me sauver qui vous montrer que vous sauver c'est le Saint-Esprit donc là n'entendez au dit non et le Saint-Esprit transforme les hommes qui croient à la bonne nouvelle pour parler avec l'autre monde de Christ dépend de Dieu les venir peut-être ou pas chargé face avec ça qui a privé dans le monde là, devenir pour nous pas comprendre, c'est intelligence, non. C'est très important qui fait que l'évangile là a valé terrain, hein, pour nous comprendre que c'est le Saint-Esprit de Dieu. Et ça fait frères et sœurs, m'a toujours dit non ça, on voulait attirer attention sur tout ça. Sinon, on a fait un travail pour l'Éternel, nous fait le bien, on a fait louange pour nous, non même pas fait louange pour tête, non. Dit toute gloire pour l'Éternel. Vous comprenez, c'est Virginie. Anon dit toute gloire pour l'Éternel, c'est Wisland. Je sais pas nous même qui gon capacité vraie, non. C'est l'Éternel servi avec nous. Vous comprenez? Donc nous même faut nous prendre pile précaution pour ne pas tirer gloire, justement pour ne pas quitter le monde à faire louange pour nous. Le fini pour nous prendre louange la vraie. Non n'est que et kage konon pour nous prendre louange là c'est pour nous connaître c'est pas nous même qui en rien c'est bon Dieu qui toute bagaille là pour nous bailler l'Éternel place li parce que c'est lui même qui ba non le Saint-Esprit qui permet travail là à marcher frères et sœurs donc c'est lui même qui transforme non de sans travail Saint-Esprit a Paul nous pas ta gain grâce et fait et non pas d'abord convaincre monde de péché non même non pas d'abord convaincre monde de péché c'est le Saint-Esprit a donc li baili et aussi certitude que bonne nouvelle là li vrai là on dit li ba non la certitude que les que bonne nouvelle la vrai ça veut dire tout ça qui et nan bonne nouvelle là non mon base qui montre non et c'est l'Éternel c'est la parole de Dieu vrai sans pas gagner coup de volant la dedans qui fait le Thessaloniciens je tout est capable ouais que l'enseignement est Paul t'a porté et Silas Timothée était vrai parce que monde ça c'est monde qui t'a mettre en vie mener en vie qui conforme à l'Éternel et amen c'est question moi même avant on t'a posé est-ce que vit pas non est conforme à l'Éternel non les croyants nous même qui prétend non dit non c'est croyant est-ce que vie pas non conforme à l'Éternel? Ah, ça c'est une question que nous t'adou répondre. Est-ce que vie pas non conforme à l'Éternel en tant que croyant?
Peuple Thessalonique, yo dit non, yo te recevo un message, yo accueilli message yo avec cœur, message du salut, avec grande joie, non songe non te wè ça. Pourtant, yo te nan souffrance, parce que yo te dit non, nan mitan yo te gen yon source de souffrance, de persécution, ki yo tap rencontre, mais ça va te empêcher que yo te rete jam nan l'évangile là. Yo di a, tan kou non tout bon nap di la la, depuis souffrance yo rive, donc non pas d'accord pour non souffrance, non vle pour tout bagay marcher et comme la roulette. Et ce qui est drôle, le premier monde qui va réagir, qui va prendre décision contraire, c'est presque c'est leader yo des fois. Et d'ailleurs tant qu'on te dit nous le reprendre, bon on paquet l'église qui lagué qu'on y a lagué dans main l'autre monde, mais c'est monde surtout qui va ca sauver yo. Le monde surtout qui va ca sauver au monde souvent qui va gagner grande réputation, c'est eux même qui rete, mais tout l'autre monde yo même yo courir à l'école yo. On prend ça veut dire nous on carence de leader, nous on carence de berger. Nous on carence de monde ça oui frères et sœurs. Type de monde non soi-disant gagner yo, ce ne sont pas de vrais leaders, ce ne sont pas de vrais bergers. Parce qu'il y a pour quitter le travail là. Amen. Et il dit non, dans la toute tentation Thessalonique, il a été continué à faire progrès. C'est pour me faire progrès. C'est ça pour me mettre dans la tête. C'est pour me faire progrès. C'est Erita, c'est Michel, frère Michel. C'est pour nous faire progrès. Frère Peter Tevenin, c'est pour nous faire progrès, quel que soit Jean Saïa. Quand sur le plan économique, nous toujours voulu pour nous gagner des possibilités économiques. Ce n'est pas mauvais. Pour nous gagner des possibilités économiques, mais bon, c'est progrès n'a fait. Mais faut nous chercher tout oui pour l'évangile là, faire progrès pour le croiser pied dans la vie, non pour le mener, non oui, hein. Et c'est important tout ça, non ouais, pour sous des Thessaloniques, yo pas abandonner la foi, hein. Yo t'a chercher au contraire chaque jour pour te plaire à l'Éternel, pour tourner bas et joindre l'Éternel. Pour l'Éternel capable de rester avec eux, pour continuer dans la ferveur et pour attendre le retour de l'Éternel. De dit non ça y est, retour l'Éternel là et pas camper, c'est pendant notre trois travail là, retour bien sur nous là, arriver sur nos frères et sœurs. 41 20 74 33 c'est que l'Éternel le Dieu de grâce, le Dieu d'amour continue à accompagner nous pour mener nous de progrès en progrès. Restez ferme.